Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais, j'espère que vous allez bien mes amis. Voilà aujourd'hui je vous montre comment on va sécher des persils et des coriandres. Voilà, اليوم باش نوريكم كيفاش نشيح المعدنوس، الطريقة نتاع كويزين مالية، كيفاش نشيح المعدنوس ونشيح القزبر. القزبر هو التابل نتاعنا الشيح، مي ناخذوه زاد أخضر بالطريقة هذه ونسحقوه ياسر ياسر للشربة نتاعتنا، أون لوتيليز بوكو بوغ لا سوب بوكو، موا بيرسونيلمون جو بريبار با ما سوب طونك نيا با دو كورياند كوم سا. دونك، ألوغ ناخذ المعدنوس نتاعي. ما نغسلوش قبل ما نربطو، ناخذ نحضر الخيط نتاعي بالطريقه هذه الخيط، وما نغسلوش قبل ما نربطو، نربطو ومن بعد نغسلو. Il faut pas le laver avant de mettre votre fil. Tout d'abord, on va trier. Je prends qu'est-ce que c'est bien et voilà, j'ai les branches que j'ai besoin et après je vous montre la suite. ناخذ كل البرانش الحاجتي بهم. Voilà, il faut trier. Je coupe, qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, tout ce que je ne peux pas le prendre comme ça, des petites branches là, je l'utilise pour la soupe, je le mets à côté. Par contre, les branches, on va le jeter. Si vous avez un jardin, tant mieux, comme ça vous le jetez. Où il y a les plantes, c'est très bien, ou les arbres, c'est très bien. Toujours lorsqu'il y a des légumes comme ça, les déchets, on le met dans les plantes. Je prends un fil de cette façon et je commence. Je fais un nœud. نربط المعدنوس نتاعي. ما نكبرش القطة نتاعي باش يشيح فيسع فيسع. Il ne faut pas mettre beaucoup à la fois. Voilà. Une après l'autre, il faut l'éloigner pour que ça sèche vite. C'est très bien lorsqu'on a des persils secs à la maison ou de coriandre sèche aussi, c'est très très bien. Céleri, pareil. Moi je l'utilise lorsque j'ai des persils secs, comme ça je l'utilise pour ma salade surtout. Voilà, j'utilise beaucoup pour la salade. Si vous voulez voir aussi, parce que j'ai dans ma page Cuisine Malais, comment on sèche la menthe, pareil, vous allez dans ma page et vous allez trouver comment on sèche la menthe. Voilà, une fois qu'on a préparé de cette façon, il faut la mettre dans une bassine, il faut le laver bien comme il faut. Laissez se goûter comme ça, de cette façon. Et après, vous le mettez à l'ombre et ça sèche. Voilà, après 2 semaines, voilà mes persils, comme vous voyez, secs. Je l'utilise beaucoup pour la salade, surtout pour la salade. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon idée. N'hésitez pas à s'abonner à Cuisine Malais. Merci beaucoup et à bientôt. Après 2 semaines, on le met dans une boîte. Voilà, on l'utilise pour le mishwi, on l'utilise le للسوب، نستعملوا برشا حاجات، تحفون برشا وقت يبدا عندنا المعدنوس ولا الكرافس ولا القزبر شايحين، تحفون برشا، استعملوا لي السلطة سيغتو، ما تنساوش تمشوا الباج نتاع كويزين مالية، تبدو ابوني، تخسروا حتى شيء، إن شاء الله نتقابلوا المرة الجاية يا ربي.